Bienvenue à tous. Nous allons parler du Zanskar. Alors, le Zanskar, c'est au nord-ouest de l'Inde, à l'ouest du Népal, en dessous de la Chine et à l'est du Pakistan. Ce sont des vallées perdues et isolées du monde. Encore plus à l'époque où nous y étions que maintenant. Et pour s'y rendre, on s'était groupé avec, nous étions quatre. À partir 5 exactement, voilà, 5 exactement. Si nous connaissions, tout le monde était très sportif, très habitué à la montagne. Et l'idée était venue de Tonton, avec qui je m'étais rendu par la suite au Vietnam. Et il rêvait de faire cette randonnée avec, il avait beaucoup de photos, beaucoup de documents. Il y avait une proposition d'une agence française. J'y ai dit, mais non, je suis déjà allé au Népal cette année, c'est pas la peine de passer par une agence qui va nous réserver quelque chose avec un réceptif sur place et qui prend sa com et le voyage, c'est le double du prix. Donc là-bas, c'est certain, on va trouver quelque chose et quelqu'un pour nous organiser. C'est ce que j'ai fait au Népal, je le raconterai sur un autre audio. C'est ce que j'ai fait au Népal pour pouvoir descendre la marque Siagandhi River en raft. Et donc, il me fait confiance et on convainc d'autres potes et nous voilà partis. Petit matin, aéroport de Marseille-Provence. On a un peu les traits tirés parce que savoir que quand on va se bazarder sur à peu près 20 jours de trek, il y a beaucoup de choses à penser. Et nous voilà partis. Nuit à moitié, enfin, tronqué dans l'avion pour aller sur Delhi. L'avion était autorisé aux fumeurs et la bonne femme à côté de moi était une tabagique chevronnée. Quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel à Delhi, j'étais intoxiqué au tabac. Et j'ai eu mes premières nausées. Le matin, on arrive à trouver notre bonheur pour les taxis, pour nous ramener à l'aéroport et prendre un vol pour Manali. Étant déjà nauséeux du voyage, enfin, du vol précédent, celui-là, il a fini de m'achever. On se pose entre deux, parce qu'il y avait une escale, et l'escale était au sommet d'une montagne. Un aéroport, je ne sais plus, je ne sais pas, je me rappelle plus parce que moi c'était pas trop marqué, pas vraiment marqué sur le billet d'avion. Et puis en plus c'est il y a très longtemps. Et quand on a vu où il allait se poser, c'était une piste. On aurait dit qu'elle avait été construite la veille pour faire un atterrissage de fortune. Pensez une colline avec les quatre côtés, le versant abrupt, mais d'une altitude, je pense, ça devait déjà être à 2000 mètres. Et l'avion se pose sur le toit de cette colline, voilà, sur le sommet de la colline. Et il se pose. Il essaye de faire un atterrissage normal, mais il n'y avait rien de normal, quoi. Et même pendant l'approche, c'était où là, ça va penche à droite, penche à gauche, mais quand pencher, c'est pencher, hein, c'est que votre corps, il se penche complètement. Et bon, donc là, deuxième épisode nauséeux, et puis on redémarre, on arrive sur une ville qui s'appelle Manali. Et Manali, dans la ville, on se disperse pour aller chercher des informations pour trouver la meilleure agence de trek, puis négocier les prix. Donc on se divise en deux groupes, un qui parle anglais dans chaque groupe. Et puis bon, il y en a un qui avait la chance, ils étaient deux à parler anglais, puis après bon, on s'est regroupés comme ça. S'il y avait quelque chose, un détail qui nous... Parce qu'il faut être très 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 méticuleux dans tout ce qu'ils offrent comme proposition. Donc on leur explique que, voilà, ils s'occupent pour la nourriture, donc il leur fallait des mulets et des ânes pour porter toutes les victuailles, les tentes, etc., etc. Et occupés de A à Z. Nous, on allait voyager... on allait marcher avec le nécessaire pour la journée. Eux, ils prenaient la nourriture, donc comme je répète, et puis des ustensiles de cuisine, et puis les tentes, voilà. Alors, il y en avait un qui avait demandé un petit groupe électrogène pour pouvoir charger les batteries, dans des batteries, des appareils vidéo, etc. Un petit truc, donc bon, ça avait été accepté. Alors, je ne me rappelle plus si ça avait été, c'était un groupe électrogène qui fonctionnait, qui pouvait fonctionner au gaz et au pétrole. Voilà, il était polyvalent. Bon, d'ailleurs, de toute façon, dans la ville, tout le monde fonctionnait à sa pétarade dans tous les sens. Et puis, cette ville a la particularité d'être une région très productive en pommes. Donc, il y a des pommiers partout. Ça sent la pomme partout dans la ville. Donc, on passe une bonne nuit de récupération. Et le matin, on s'en va avec un véhicule tout-terrain sur la ville de Kelong. Alors, Kelong se trouve déjà à 3500 mètres. Alors, je m'étais surentraîné avec un sac à dos rempli de pierres, en allant cavaler dans les collines, faire des montées abruptes à toute vitesse avec le sac à dos, en me
bandant, avec une espèce de bandage, enfin, maintenant, bon, c'est pas un masque chirurgical, mais enfin, bon, je mettais une espèce de bande autour du nez pour raréfier l'air que je respirais, parce que j'avais pensé que j'allais faire un œdème. J'avais ça, enfin, j'étais quand même assez. Je me disais, je vais faire le mal des aigus des montagnes. Je pense que je suis souci. J'ai un souci avec ça, puisque lorsque je faisais je donnais des cours de ski et je passais à 3 500 mètres, le soir, quand je redescendais, j'avais un petit peu mal à la tête. Voilà. Donc, je me disais que je devais avoir un point là-dessus qui était une faiblesse. Et donc, je m'entraîne très fort. Et quand j'arrive à Kelong, nous sommes donc à 3 500, je m'en vais chercher un hôtel, mais en trottinant. Je fais les trucs en courant. Donc, pas de souci. On trouve l'hôtel, on négocie l'hôtel, et puis on s'attable, on mange, on commence. C'était assez fréquent. J'aime bien. Ça s'appelle de la raita, donc c'est du fromage blanc avec des feuilles de menthe, des petits morceaux d'olive et des petits morceaux de tomate. Voilà. Et ça se mange avec des chapatis, donc ou des naans, c'est-à-dire des galettes de pain qui sont faites dans un four qui s'appelle le tandoori. Et c'est un four qui a une forme d'ogive, et les gens, avec habileté, plaque ces espèces de crêpes sur les parois très chaudes du four. Voilà. Et donc, ça accompagne les repas. Et on prend ça, et puis bon, il y avait du poulet aussi. Voilà. Donc, très correct. Puis bon, c'était original. Voilà. Et la nuit se passe, et le lendemain, on écrit du courrier. On dit, tiens, comme ça, parce qu'après, ça va être fini, on va être hors du monde pendant 20 jours, 21 jours. Donc, on fait nos lettres. Et on avait commencé à prendre des cartes postales à Manali, mais bon, là, on savait qu'il y avait une poste, on pouvait les envoyer. Et d'autres disent, ah, mais tiens, on va visiter le petit temple un peu plus loin, en face, là. Il y avait une montée à prendre un téléphérique, quoi, pour y aller. Mais bon, ils disent, oui, on se sent, on y va. Et moi, j'ai un gros coup de barre, comme si j'avais pris un somnifère. Je continue à écrire mes lettres, je sens le cœur qui bat lentement, j'ai très fatigué. L'après-midi arrive, et puis on commence à marcher sous la pluie pour monter à notre premier camp. Les gens, les escorteurs sont arrivés, sont partis devant, là, les porteurs, enfin bon, il y a les mulets et tout ça qui ont toutes les victuailles, et ils sont partis bien avant nous, et donc nous, durant l'après-midi, donc ils flottent, on a tous des ponchos, paysage et minéral, austère. Et on monte, et on monte, et on monte. Bon, je commence à prendre 2 cachets d'aspirine parce que j'ai la tronche qui va exploser. J'ai été opéré 1 an ou 2 avant. J'ai toutes les douleurs au niveau des os du visage qui ressortent. J'ai l'impression que la tête, tous les os sont en train de s'écarter à l'intérieur de ma tête. Et bon, on monte, on monte, on monte. Et puis on arrive à ce camp qui doit être à 4 000 mètres à peu près, peut-être un peu plus. 4 000, 4 002. Bon. Je ne me rappelle pas, il y en avait un qui avait l'altimètre, mais je ne me rappelle plus. Il disait sans arrêt, sans arrêt, on disait, ah, on est à temps, on est à temps. Bon. Et à temps, terrain d'altitude. Et de toute façon, bon, l'altimètre, c'est aléatoire, parce qu'il faut sans arrêt le remettre à niveau avec ce que dit la carte, parce que sinon, ça dysfonctionne. Ça dépend lesquels, en plus, il y a plusieurs marches. Bon, voilà. On plante les tentes. Parce que ceux qui étaient partis pour monter le bivouac avaient juste laissé pour gagner du temps. Donc on a monté nos tentes et ils ont commencé à faire à manger. On passe la nuit et le lendemain, nous repartons pour aller sur le premier col. Le premier col est à 5 000, entre 5 000 et 5 400. Et lorsqu'on arrive le soir, là, effectivement, ils nous demandent ce qu'on veut manger, etc., etc. Il commence à y avoir déjà des choses qui ont disparu parce que j'avais amené des trucs perso. Ils disent qu'ils l'ont plus. Bon, ça commence bien. Et j'ai dit, ben, écoutez, en tout cas, ne montez pas la tente pour moi, parce qu'il y a une petite cabane en pierre sèche, un peu plus haute, donc très très proche du col, on dirait à 5 003, et qui est une cabane sûrement de berger, parce que l'élève, on sait qu'il y a des yaks, tout ça. Et j'ai dit, tiens, je vais aller là-bas, comme ça peut-être ça va être moins humide. Le souci, c'est que dans la région, il y a des ours et des loups. Mais bon, là, il n'y a pas une porte vraiment qui ferme, mais plutôt quelques planches que l'on coince avec un gros tas de pierres. Donc le soir, je prends notre soupé et je m'en vais, lampe frontale, duvet, etc., etc., me mettre dans cette cabane. Donc je monte plus haut que les autres. Chose qu'il faut pas faire.
En général, il faut monter un peu plus et redescendre pour dormir. Rester, enfin, marcher, on va dire, une trentaine de minutes et redescendre à l'endroit où on va dormir. Et donc là, moi, je fais inverse. Que je passe la nuit, je suis réveillé par, je sais pas ce que c'était, quelle bête, assez grosse. J'étais en train de remuer des pierres pour essayer de rentrer. Et là, je commence à délirer. Je suis en train de vivre un rêve éveillé. Pas le coup des pierres, parce que ça, c'était réel. Mais je me prends pour quelqu'un, un gradé en Amérique du Sud qui subit un coup d'État. Enfin, bon, un truc délirant. Et le lendemain, je redescends. Puis quelqu'un est venu, un pote est venu pour me réveiller. Et je redescends, mais je suis sous anesthésie, quoi. J'avance à peine et je leur dis, j'avais très très mal à la tête, surtout derrière la nuque. Et nous avions un ami qui était décédé 2 3 mois avant d'un AVC cérébral. Et il avait eu ces symptômes-là. Donc j'ai dit, moi je préfère redescendre, j'arrête tout parce que ça va vraiment pas. Alors stupeur, parce que c'était moi le plus entraîné. On sait, mais avant on ne savait pas. Mais maintenant on sait depuis quelques années que bon, plus on s'entraîne, plus on a des risques de faire le mal aigu des montagnes. Parce que plus la masse musculaire est importante sur le corps, je ne parle pas, c'est pas être le plus costaud, mais moins vous avez de graisse, plus vous avez de densité musculaire par rapport à votre poids, au plus vous consommez d'oxygène. Et la régulation se fait au niveau des reins. C'est les reins qui équilibrent votre taux d'eau, de liquide, pour faire simple, dans le corps humain. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, les guides d'alpinisme qui s'entraînent à Chamonix, qui amènent des groupes dans l'Himalaya, ben, sont les premiers à faire des œdèmes. Et personne ne comprend pourquoi. Ben, oui, c'est parce que ben, ils sont déjà surentraînés. Et en même temps, c'est eux qui ont besoin le plus de capacité d'oxygène. A contrario, les femmes sont avantagées. Parce qu'elles consomment moins d'oxygène et elles ont pas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ce problème-là. La masse musculaire est moins importante et donc ça va beaucoup mieux pour elles. Et c'est assez paradoxal parce que on voit des femmes qui sont pas du tout vraiment entraînées, qui se passent bien et l'autre qui a fait des efforts et qui s'est attelé des heures durant, hein, pendant des semaines pour se préparer à l'Himalaya, et ben voilà. Et donc, je redescends et je demande à ce qu'il me prête un mulet pour pouvoir amener mes affaires. Et là, le chef, le guide de l'équipe dit non. Bon, je demande à récupérer ce que j'avais donné comme nourriture. C'était donc de la charcuterie. Ça avait disparu. Et il me dit, je peux te prêter quelqu'un pour t'accompagner sur la route du retour jusqu'à la fin du sentier. Et là, il y a un bus qui va passer à l'endroit où il t'amènera et tu pourras aller revenir sur Kelong. Donc, c'est ce que je fais. Je me sépare des amis et je me mets à transbahuter tout le barda que les mulets portaient. Donc j'ai en tout 2 sacs à dos et un petit. Et le guide, oui, mon escorteur qui m'accompagne prend un sac. Mais je me retrouve avec un gros sac et le petit devant. Donc avec 2 sacs à dos. Donc en tout j'avais 160 litres. Et là, le sac 80 et le petit 20, donc j'avais 100 litres avec moi. Et le temps était très long. Parce que je marchais, les pas, c'était comme quand les gamins dans la cour de récréation, et que on se sépare, et puis on fait des pas juste qui suivent le pied, suit l'autre. Hein. Le talon se pose sur la pointe de la chaussure droite, le talon gauche, etc. Et on avance comme ça, vraiment des pas de fourmi. Donc j'en suis là. Et on s'arrête pour boire, en milieu du parcours. J'ai plus la force d'ouvrir la gourde d'eau. C'est un effort surhumain. Bon, finalement, j'arrive à boire. Et cette traversée, enfin, c'est une traversée, si on peut dire comme ça, je fais ce retour, j'en vois plus la fin, et je pense à ce qu'avait dit un général qui est mort, quand les types, je fais un raccourci par rapport à l'audio que j'avais fait sur Dien Bien Phu, et quand les gens s'en vont, sont prisonniers, et qui sont exténués par les combats, qui sont exténués par la maladie, et il raconte ce général, le général Bijard, et il dit, c'est un pas, encore un pas. Se concentrer uniquement sur le pas que l'on fait. Un pas, encore un pas après l'autre. Et en fait, je m'en sors comme ça, en pensant uniquement au pas que je fais. Au pas, juste le pas, pas plus loin, pas se dire qu'on va faire 1 km ou 10 km. Non, juste un pas, et un pas après l'autre. Et c'est un raccourci pour tout ce qui doit se passer aussi, pour tout n'importe quel objectif. Et il faut penser juste à là, ce que l'on va faire dans la seconde ou la minute, pas plus loin. Finalement, j'arrive à ce fameux carrefour, la fin du sentier, le début d'une route carrossable. Et le type me laisse là, il me dit le bus va passer, et lui, donc il se décharge, il laisse les sacs à dos,
Et ils se cassent à toute vitesse pour revenir avant la nuit au campement et rejoindre les autres qui ont commencé à marcher. Donc là, lui, il est en allégé maximum et il repart quasiment en cavalant. Et finalement, donc je savais pas trop si un bus allait arriver. Et il y a un type qui sort de nulle part avec un sac démesuré, très athlétique, beaucoup plus âgé que moi. J'ai dit d'où vous venez? Il me dit, ben, je viens de faire le parcours. En fait, il voulait faire ce que nous, on avait fait là, qu'on partait pour faire sur 20 jours. Lui, il venait de le boucler. Il me dit, oui, c'était bon. On se parlait en anglais parce que je crois que c'était en hollandais, un truc comme cette région-là. Et il me dit, oui, mais je connais, il va y avoir quelqu'un, ça, un bus qui arrive. Donc le bus arrive et on monte, le bus démarre. Alors, on avait été déjà contrôlé à l'aller, mais alors là, les contrôles, c'était insupportable. Alors, les types, on n'a pas envie de. On ne sait pas qui c'est qui contrôle qui, on ne sait pas si c'est officiel, pas officieux. Enfin bon, ils ont la tronche de l'emploi, parce que la guerre est pas loin, c'est une zone tampon où la frontière entre le Pakistan et cette partie de l'Inde peut varier de plusieurs kilomètres par jour. Il y a une ville qui s'appelle Srinagar, qui est plus à l'ouest, plus ou moins interdite, à cette époque, hein. Et il y a aussi le conflit avec l'armée chinoise. C'est une guerre dont personne n'a parlé, mais qui a duré 25 ans. Il y a plus de morts par œdème d'altitude que par balles réelles, parce que les gens, ils se flinguaient, ils cavalaient dans la neige à 5000 mètres. Donc voilà. Et, ça a fait au niveau cardiaque, hein, c'est pas très bon. Et là, le type de contrôle qu'il y avait, ben, c'était des tronches de patchou avec les moustaches en guidon de vélo, avec le turban sur la tête, avec des cartouchières en bandoulière. Le fusil à portée de main, voilà quoi. Et puis bon, ça jauge du regard, donc on soutient le regard, pas d'une manière provocante, pas faire aussi le type, mais pas faire la personne qui se liquéfie, parce que sinon là, ça va être encore pire. Voilà, donc essayer d'avoir une attitude neutre, calme. Bon, les contrôles sont passés, ça a été un peu, oui, pourquoi vous revenez, pourquoi vous êtes passé hier, machin, etc. Bon, deux, trois contrôles plus loin, même opération. Bon, et finalement, le bus arrive, qui est long, et je peux retrouver l'hôtel où nous étions 2, 3 jours auparavant. Et là, stupeur de l'hôtelier, ben, bon, je lui explique, hein, il me trouve une chambre, et je passe 2 nuits et 3 jours dans cette chambre. Ils ont compris à peu près ce que j'avais, eux. Moi, je ne savais pas trop encore. Et ils me portent de la raita à manger. Donc, ils mangeaient chapati, raita, que je trouvais excellente. Et je ne faisais que dormir. Et j'avais une fenêtre, il n'y avait pas de volet. Et j'avais le paysage en face de moi, de sommet himalayen, un peu comme dans Tintin au Tibet, là, avec l'air qui est très pur. Là, c'est ce qui est notable là-bas, c'est la pureté de l'air. Les montagnes craignaient le soleil, parce que bon, à l'occasion, les jours du départ, c'était la pluie. Mais les choses sont très, très, très nettes. D'ailleurs, il y a une ville où je vais me rendre un peu plus tard, qui s'appelle Leh, Leh, et qui avait été sélectionné par les photographes de mode pour à l'époque prendre des photos de Cindy Crawford, qui était le mannequin vedette des années 90 avec Claudia Schiffer. Donc voilà, régime raïta, et puis du thé. J'abuse pas trop sur le thé parce que le thé bloque l'assimilation du fer. Et le fer, on en a besoin pour les globules rouges et fixer l'oxygène. C'est dommage parce que le thé est un très bon hydratant. Il hydrate mieux que l'eau. Il n'y a rien de mieux que l'eau pour hydrater, mais le thé, c'est un pouvoir supérieur. Surtout le thé vert. Bon, là-bas, c'était du thé noir. Donc, j'arrive au bout du troisième jour, le matin, à avoir un peu récupéré. Je me lève et je vais me faire une consultation à l'hôpital. Mais par contre, dans la rue, là, ça a été compliqué. Il fallait que je me tienne au mur. Alors, il y avait des murs de pierre sèche pour l'hôpital. Donc, je me tenais aux pierres du mur pour arriver à l'hôpital. Quand j'arrive dans l'hôpital, c'est la cour des miracles. C'est-à-dire que les poubelles sont dans le couloir. Donc, les poubelles, c'est des tas d'immondices. Et toutes les familles qui ont des malades font à manger dans les couloirs. S'il y a quelqu'un d'hospitalisé, il y a tout le monde. Que ce soit la grand-mère, le père, les enfants, tout le monde est là. Il y a à peu près 200 personnes qui attendent pour faire le truc. Bon, je réussis à avoir un rendez-vous avec un docteur et il peut me voir, m'auscule, et il me dit le diagnostic. Watering lungs. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Prends le dictionnaire, c'est un mot que je ne connaissais pas, lungs, et je vois poumon. Ah, je comprends, œdème. Et il me dit en anglais, vous avez les poumons de la taille d'un ballon de handball. Très petit, me dit le ballon de handball. Je vais vous donner des antibiotiques hein, au cas où. Et puis, restez quelques temps là. Et puis voilà. Mais j'avais contacté mon assurance pour être rapatrié
un hélico ou quelque chose comme ça. Ils me disent que non, c'est vraiment impossible. Enfin, bon, voilà, ils jouent la montre. Depuis cette époque, je ne prends plus d'assurance. Voilà, c'est pas la peine. Donc, je négocie encore avec eux, etc. Bon, ça dure. Je retourne à l'hôtel et le lendemain, je décide de partir, de prendre le bus qui venait de Manali et qui franchit la route la plus haute du monde pour aller sur Leh, donc qui s'arrête à Kelong. 4 heures du matin, je me lève, je pars et je m'en vais et je trouve ce bus. Le bus s'était arrêté et avait dormi. Le chauffeur avait dormi sur place. Donc, je monte dans le bus, je m'assois à côté du chauffeur. Et quand il arrive quelqu'un, il me dit, mais attends, ça, c'est ma place. Et ben, je fais l'idiot, je fais semblant, je fais le mec, il comprend pas. Parce que je sais que je vais monter avec le bus, on va refranchir un col à 5004. Donc, je sais pas comment je vais réagir. Et je fais l'idiot, je comprends pas, de toute façon, voilà. Bon, finalement, le type est allé s'asseoir à côté. Mais tout le monde fume dans le bus. Ah, c'est une horreur. Et le chauffeur, il fume comme un pompier, quoi. Une espèce de cigarette, hein, comme des gitanes de maïs avec papier jaune et du tabac, avec des morceaux, on dirait plutôt des brindilles de bois que du tabac. Bon, c'est un peu l'enfer. Mais les paysages sont époustouflants de beauté. Franchement, de tout ce que j'ai fait comme voyage, c'est quand même le top, quoi. La luminosité est incroyable. Le dessin des choses est quelque chose. Pour essayer d'imager, quand vous regardez les montagnes d'Himalaya, c'est un peu comme si vous regardez un mur là dans votre maison, mais hein, et puis après vous vous approchez du mur, et puis vous collez votre visage au mur, et puis vous levez la tête. Voilà, c'est la même impression que l'on a avec les montagnes habituellement. On lève la tête pour regarder les montagnes, mais là-bas, on est obligé de lever la tête comme on regarde le soleil. Vraiment, mettre la tête en arrière, quoi, tellement c'est hein, des pentes vertigineuses. Et puis, il y a une rivière. Et là, oh, c'est parce que c'était comme animal, ça peut ressembler grosso modo à un chamois, plutôt foncé et noir, qui était en train de s'abreuver. Pareil, là, une photo d'enfer à faire, mais bon, comme d'habitude, c'est les moments où on a les plus belles photos qu'on n'arrive pas à trouver. Bon, l'appareil photo n'était pas vraiment à portée de main, et je n'ai pas pu prendre cette photo. Et puis en plus, bon, à l'époque là, j'avais la vidéo, mais bon, ça, voilà. Ça n'a pas fonctionné et on poursuit, on s'arrête prendre une petite échoppe qui vendait du café, on remonte, on est sur les 5004, hein, puis on attaque l'après-midi, on redescend petit petit. Bon, pour moi, ça se passe bien, j'ai pas de symptômes et on perd une roue. En fait, au début, on savait pas qu'on avait perdu notre roue. Le chauffeur voit une roue, parce qu'il avait des roues jumelées. Donc en fait, c'est une qui s'est détachée derrière et la roue nous double. Et on voit passer la roue et alors il est là, puis de ce coup, ah mais non, c'est notre roue. Voilà, et bon, et on sent que le truc gîte un peu, quoi. Quand, bon, il s'est arrêté, la roue, il n'a pas pu la récupérer parce que je crois qu'elle est tombée dans quelque part. Il a dû balancer une roue de secours ou je sais pas. Enfin, bref, donc on redémarre. Et là, on traverse au pas un groupe, comment on pourrait dire, des villages ambulants, puisque c'était des gens qui refaisaient la route. Alors, ils ont la couleur du goudron et ils vivent et ils meurent sur la route, de leur petite enfance jusqu'à leur âge le plus avancé possible. L'Inde, ça fonctionne avec des castes. Et il y a la caste des éboueurs, la caste des égoutiers, la caste des maçons, la caste, voilà. Et ils se marient entre eux et ils peuvent pas changer de caste ou très rarement. Et ceux-là, bon, ils sont vraiment au bas de l'échelle. Les gosses, les plus petits, cassent des cailloux et font des petits graviers. Les autres, un peu plus gros. Et puis les grands, eux, ils étalent le goudron. Et donc, c'est pour ça que tout le monde fait vie dans la fumée du goudron. Donc, ils vivent pas vieux parce que c'est très cancérigène. Il y a presque pas d'eau. Ils sont noirs, tous les vêtements. C'est une catastrophe. Il n'y a pas assez de l'essence pour se nettoyer. Ils vivent misérablement parce que chaque fois ils peuvent pas faire une maison correcte parce que chaque fois ils sont obligés de se déplacer. Voilà. Donc là, on touche le fin fond de l'humanité. Et on poursuit sur la destination finale qui s'appelle Leh. On y arrive au soir. Et Leh, bon, c'est un peu Jérusalem, quoi. Parce que, ben, pèlerins qui arrivent là-bas. Donc il y en a qui sont partis encore avant moi. Donc j'arrive à trouver un hôtel assez rapidement. Le premier soir, je rencontre un couple francophone. Ensuite, on trouve un endroit pour manger. Pas trop mal. Alors, il y a des femmes qui sont habillées vraiment en tenue Tibet, hein. C'est plutôt des couleurs pourpres et un corsage assez serré qui monte très haut. Et puis, l'hôtel, bon, il est assez vanté, ben, c'est pas le grand luxe, mais bon, mon idée au départ, c'est quand même de louer une Jeep pour revenir voir les collègues et finir la deuxième partie du trajet avec eux. Parce qu'il y a un point d'accès à cette vallée, au milieu de cette vallée, on peut y arriver, il y a un accès. Enfin, après, bon, il faut continuer à pied, mais bon, voilà, la partie à pied, ben, c'était pour aller les rejoindre. Et j'arrive pas à trouver de Jeep. Je rencontre dans cet hôtel qui faisait, sur ses congés, cette femme avait adopté un gamin tibétain.
Et elle envoyait de l'argent à la famille, et donc elle voulait aller le voir. Elle ne payait pas le billet d'avion, puisqu'elle était directrice du bureau Asie pour une très grande compagnie aérienne. Voilà. Mais elle vivait à la dure, puisque là, l'hôtel, c'était pas le grand luxe, mais de toute façon, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Donc sa connaissance m'a permis de visiter les alentours. Et chaque fois, tous les soirs, je recontactais avec le décalage horaire mon assurance qui me promenait. Il disait qu'il fallait absolument que je voie un docteur parce que, bon, pour faire court, il voulait un papier, un certificat médical parce qu'ils m'ont expliqué que dans l'avion, ils ne m'ont pas dit de suite, hein, ça a été long. L'avion est pressurisé à 2500 mètres et que moi, j'étais quand même allé à 3500. Et la dépressurisation d'un seul coup de l'avion pourrait être trop rapide et me faire avoir, pareil, un œdème de nouveau. Voilà. Alors que là, ça c'était plutôt en descente, plutôt que dans la montée. Alors, le toubib n'était pas là. Le toubib, il était en congé, le toubib valable, certifié, voilà, il y avait de l'attente, les gens attendaient, mais bon, on ne savait pas quand c'est qu'elle est rentrée, elle était partie, on ne sait pas où. Donc, c'était impossible de l'avoir. Et à la suite d'un autre appel, redit, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Internet, il y a, voilà, hein, donc c'est le téléphone, l'officine, puis il y a plusieurs opérateurs pour pouvoir se. Il faut savoir que pour changer là-bas, pour changer de l'argent, ça mettait 3 heures ou 4 heures. Et relever les numéros des billets de banque. Voilà. Les batteries pour votre vidéo, ils ne voulaient pas parce qu'il y avait des piles dedans. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait des piles dans les batteries. En fait, oui, il y avait des cylindres. Voilà. Donc, je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, voilà. C'était compliqué et ardu au niveau administratif. Finalement, bon, chaque fois, j'arrive quand même à avoir l'assurance au téléphone et je lui dis, mais je ne vais pas rester là ad vitam aeternam. Donc, même s'il n'y a pas le docteur, je voudrais rapatrier. Et alors, elle me dit, oui, mais vous pouvez aller à Delhi plutôt que par prendre l'avion, vous pouvez y aller par la route. Et là, bon, j'ai explosé, j'ai dit de poser son tricot et de sortir du périphérique de l'Île-de-France, quoi. Parce que l'Inde, c'est grand comme l'Europe. Il y a 200 langues, donc quasiment 50 officielles. Il y a 1,2 milliard d'habitants. Un village, c'est 1 million d'habitants en Inde. C'est un village, voilà. Donc, en plus, à Delhi, à cette époque-là, en même temps, je pense que ça doit être plus le cas. Les gens qui dorment dans la rue s'attachent parce que le matin, quand passe le camion poubelle, à côté, il y a le camion pour ramasser les morts, et que les types qui dorment, ils n'ont pas envie d'être jetés vivants dans le camion des morts. Et qu'il y a des rapaces qui tournoient dans le ciel pour voir s'ils peuvent pas choper un cadavre humain. Voilà, c'était ça l'Inde. En plus de, alors bon, maintenant, bon, on parle de l'Inde qui a fait un effort, et un essor au niveau tout, quoi. Mais bon, ils sont partis tellement de très très loin. Quand il y avait encore, pour situer la date, on est en 96, il y a encore des vieilles voitures qui datent de la colonisation anglaise, et le nom, c'était des. Ah, ça ne me revient pas. Ça ressemblait à des ambassadeurs. Ambassadeur ou ambassador, ambassador. Et c'était la copie conforme, plutôt la 403 Peugeot avait pris la copie de ce type de voiture. On voyait encore des Lee Enfield. Ça se vend maintenant. S'ils en exportent, ils avaient récupéré même les licences, les vieilles Piaggio aussi, des motos, tricycles. Enfin, pas les tricycles, des scooters. Donc voilà, c'était ça l'Inde. Après. Là, la bonne femme, après, une fois qu'elle a été secouée, elle a dû poser son tricot, elle m'a, et puis je lui ai mis une autre couche en lui disant que j'allais revenir. J'allais revenir, j'avais l'énergie pour revenir, et qu'en France, il y avait des lois. Voilà. Et que ça se terminerait pas comme ça. Donc là, elle a commencé, on est quand même à partir d'une semaine de conversation, elle m'a passé un docteur. Et le docteur a dit oui, bon, il faut qu'il soit rapatrié. Donc, se passe un jour ou deux, et il y a un type qui arrive comme ça, et qui me demande mon nom, enfin, qui me dit c'est vous, etc., etc. J'ai dit oui, alors j'étais surpris. Il m'a dit ben, je suis mandaté par l'agence, je suis une agence de voyage, je suis mandaté par l'assurance, m'occuper de vous. Mais on va essayer quand même d'aller voir un docteur, ils y tenaient à ce docteur. Apparemment, ils avaient pu avoir, un autre docteur avait pu avoir l'agrément, donc il me prend sur sa moto, et on a failli se tuer peut-être 3 fois, parce que ils zigzaguaient pour éviter les vaches sacrées qui au dernier moment se levaient et voulaient traverser. Bon, le docteur Pamèche, pareil, impossible de l'attraper. Mais comme la personne que j'avais eue, le médecin que j'avais eu au téléphone m'avait donné son feu vert, donc je suis pas trop inquiet pour ça. Et au retour, rebelote avec des vaches. Et la deuxième vache au retour, je lui fous un coup de pied dans la tronche. Elle se tire parce qu'elle commençait à se lever et elle est plutôt embrochée la moto. Le type pour regarder, il n'avait pas vu parce qu'elle était. Enfin, il avait vu la vache, mais bon, il pensait qu'elle n'allait pas se lever, mais elle s'est levée presque au milieu de la moto. Bon, on était à très petite allure. Hein. Et donc j'ai fini un coup de pied. Alors, ça a hurlé là, chez les gens alentour, c'était un sacrilège. Bon, l'autre il a vu ça et qu'est-ce qu'il a fait, il a pleuré quoi. Bon.
Et ça s'est passé comme ça. Alors, par la suite, on a réussi à avoir le billet d'avion, mais on avait un souci pour Delhi. Parce que Delhi, la compagnie. Alors, ouais, le billet d'avion intérieur, la compagnie avait fait faillite. Donc, il a fallu prendre un billet d'avion avec une autre compagnie. Bon, j'ai dû repayer. Et ils m'ont dit, on vous remboursera. Ça n'a pas été simple pour le remboursement, j'ai été eu partiellement. Et arrivé à Delhi, une fois que bon, j'ai pris l'avion, tout allait bien, mais on avait un souci parce qu'à Delhi, ils ne voulaient pas que je prenne une autre compagnie. Il fallait absolument que je reprenne une compagnie, la compagnie avec laquelle j'étais venu. Donc pareil, re-explication au téléphone en lui disant, mais si j'étais venu à cheval, il aurait fallu que je rentre à cheval alors. Voilà. C'est quoi cette assurance? Je ne peux pas dire le nom, mais c'est quoi ce type d'assurance internationale qui vous dit non, non, il faut absolument que. Alors, j'aurai la jambe cassée, non, non, il faut attendre la bonne compagnie. Alors, la bonne compagnie, ben, elle n'avait pas de vol dans l'immédiat. Elle faisait un par semaine et il fallait que j'attende 5 jours. Donc, il me payait l'hôtel, mais il me payait l'hôtel une nuit. Donc, bon, j'aurais dit si vous me payez l'hôtel sur toutes les autres nuits, ça va revenir plus cher. Donc ils m'ont mis sur un vol, je ne me rappelle plus quel c'était, bon, un vol d'une compagnie européenne, et j'ai pu parvenir en France et rejoindre ma ville de résidence. J'ai cavalé en premier voir le meilleur spécialiste des poumons dans un hôpital de bonne facture, le meilleur de la ville. Et le nom en tête de cette personne, je pense qu'il avait un parent qui avait fait la guerre d'Indochine, parce qu'il était assez célèbre, donc son père. Mais bon, je peux pas dire le nom là. Et donc il m'ausculte, il m'a dit, bon, écoutez, tout est rentré dans l'ordre. Vous êtes un miraculé. En revanche, nous sommes en démocratie, nous sommes en république. Vous faites ce que vous voulez, mais ne remontez jamais en altitude. Parce que si vous remontez en altitude, à partir de 3005, vous êtes en danger de mort. Voilà. Donc, j'ai suivi ses conseils. Je suis un peu remonté quand même à 4000. Mais ça tangue un peu, quoi, quand même à 4000. Peut-être un peu plus de 4000, je n'ai pas de souvenir exact, parce que c'était un volcan aux Philippines. Mais les Philippines, c'est quasiment la même année. Enfin, bon, dans les Alpes, voilà, je suis à la frontière des 4000, à peu près 4100 une fois avec un ski hors piste, mais bon, voilà. Sinon, je ne suis plus jamais revenu sur les 5000 et plus et au-delà. Bon, si j'avais pas eu ce type de problème, j'aurais passé de nombreux séjours dans l'Himalaya, parce que les paysages sont quand même époustouflants. En revanche, la sensation de bien-être, elle n'y est pas. Voilà. Donc cette sensation que vous pouvez avoir quand vous regardez un coucher de soleil sur une plage dans les tropiques, sur une plage pas bondée, mais une plage, petite île sympa, ou avec un village de pêcheurs à côté, voilà, la plénitude, sans avoir le bruit touristique, ça vous l'avez pas. Par contre, le choc des images, pour reprendre, paraphraser un journal, un magazine célèbre, ça vous le prenez en plein dans la tronche, effectivement, et puis en même temps, les populations qui sont vraiment originales. Et vrai, là, ils sont pas là vraiment. Ils sont à cette époque-là, hein, ça a pu changer quand même. Mais bon, il y a des vallées reculées. Je pense qu'ils n'ont pas été quand même trop touchés par le monde et ben, la façon de vivre occidentale. Et donc pour le groupe des collègues, eux, ils ont eu beaucoup de problèmes pour revenir parce que ben, ils avaient pas assez d'argent. Parce que les billets d'avion de la compagnie, ben, c'était la même que la mienne, elle était en faillite. Et il n'y avait pas de départ, il a fallu qu'ils aillent sur Srinagar, donc c'était une zone militaire, parce qu'il y avait la guerre, donc ils se sont retrouvés coincés, les jeeps étaient parqués au carré, bon, en fait, ça a été une galère aussi pour revenir, ils sont revenus pas dans les temps, pas ce qu'ils avaient prévu, hein. Ça a été long, hein. Ils ont bien passé 10 jours supplémentaires. Et donc, il fallait payer les hôtels. Enfin, bon, voilà, c'était compliqué pour eux aussi. Mais enfin, bon, eux, ils avaient la santé sauve là, par rapport à ça. Donc, l'histoire sur les, quoi dire de plus sur la ville, elle est entourée de stupas qui sont visitables. J'adore manger les chapatis et les naans. Donc, je me régalais de voir tous les soirs quand il est préparé, j'allais les voir. Il faut savoir aussi que c'est l'origine de la pizza. La pizza est rapportée par Marco Polo lors de son voyage de Chine avec des pâtes. C'est des pâtes, c'est une invention chinoise. Nous, on a mis du blé, mais au départ, c'était avec du riz. Et à son retour, ben, il voit comment se fait. Parce que les Indiens ne mangent pas de viande pour la plupart. Et sur ces espèces de naan, hein, ces plaques qui font chauffer au four, ils mettent de la tomate, ils mettent du fromage, ils mettent de l'ail. Voilà. Donc, c'est la base de la pizza. Et donc il a ramené ça et ils l'ont amélioré, eux, à Naples, parce que bon, il y a une tradition qui date des Romains de poissons séchés, conservés dans la saumure, qui sont les anchois. Et c'était un plat de pauvres au départ. Et voilà comment la pizza à Naples est née.
René a eu une renaissance par la suite. Pizza, c'était pas, on n'en trouvait pas il y a 50 ans dans le monde entier. Hein. En France, à Paris, il n'y en avait pas. Voilà. Il y en avait à Marseille parce qu'il y avait une forte communauté. Quand les Napolitains sont arrivés en 1920, ils étaient 250 000. Donc il y en a beaucoup qui ont ouvert des magasins de pizza. Enfin, pas énormément. Il n'y avait que deux magasins de pizza dans Marseille. Je répète, à Paris, il y en avait zéro. Et ils mettaient. Ça a été amélioré. On a commencé à mettre du fromage, et puis après, on a commencé à mettre des champignons, etc. Et puis bon, voilà, ça c'est. Tous les trucs là, quand vous voyez pizza avec des noms italiens, de trucs. Ah oui, c'est comme ça, c'est ça. En fait, ça a été inventé après. Amélioré par la gastronomie française. Parce que quand on allait en Italie, on les trouvait très mauvaises. Voilà. Mais bon, je vous invite, si vous faites un voyage, à venir à Marseille et prendre même n'importe quel camion. Il y a beaucoup de camions qui vendent ça. La prendre au hasard, dans un camion au hasard. Et vous comparerez avec ce que vous mangez ailleurs. Et vous pouvez même aller comparer avec ce que vous mangez en Italie. Sur ce, merci de votre écoute. À la prochaine.